Bon. Salut, 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 bonjour. Bon, je pense que vous me voyez bien, hein? Ouais, ici c'est bon. Oh, j'ai dit que je suis trop chargée. Merci pour les cœurs, là. Lancez les cœurs déjà. Hé, là, ouais. L'impact est très, très forte. Maman en Canada. Maman la chauffeuse de rognon. Maman la micheuse. Bon. J'ai cherché la luminosité un peu, j'ai eu. Bon. Comment vous allez? Hey, ils sont déjà là, ils sont déjà là, ils sont déjà là. Comment vous allez? Ah oui? Le maquillage qui va avec. Wanoubé ça, on peut faire ça. Wanoubé ça. Amouya. Mon guarani, qui m'a couché? Maman et là là. Un an manada. Là encore. On dit Amouya, ça veut dire quoi? J'ai dit. Vous, mon fan club là, pourquoi même vous venez demander, pourquoi vous faites demande pour être dans fan club? Vous êtes dans fan club là-bas, on met des postes. Le président de fan club met un poste là-bas, il met des postes, vous ne commentez pas. Donc vous êtes parti chercher quoi là-bas? Vous comprenez? Mes impactés, l'impacteuse, vous savez. J'ai dit que, comme une de mes mamans, qui m'a parlé longtemps, arrête tes ourourous là sur les réseaux sociaux. Moi, coronavirus n'a qu'à finir. Tu vas venir en Virginie ici pour faire malin sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'elle veut de toi. Je t'ai pas appelé dans les classes ou les demi-classes. C'est pas là-bas que je t'ai appelé. Coronavirus n'a qu'à finir. Faut avoir vaccin. Si tu as pris ton vaccin, tu viens ici en Virginie. Tu vas faire ton faro sur les réseaux sociaux comme tu aimes t'amuser là. Je t'invite aux États-Unis, tu vas venir dire quoi? Venir répondre à gauche, à droite. D'après le roi, il dit, les autres que tu as fait, je t'ai regardé parce que ce n'est pas des gens avec lesquels tu riais avant. Mais où tu es en train d'aller là, je n'aime pas ça. Parce que quand tu as ri à une personne, maintenant si tu penses que tu as découvert quelque chose à la personne, tu laisses les gens découvrir la personne. Donc, tu viens plus pour dire c'est rentré, j'aime pas ça. Arrête-toi là. Ce que je vais vous dire. Je vais vous donner ça un peu et puis on va passer au sujet. Pour vous dire que je suis une personne vraie. Sinon, ma chérie, c'est à toi et t'adresse. Je m'adresse, hein, tu le sais. Mais comme je dis, je respecte mes abonnés. Je respecte. Tous ceux, vous qui êtes tous venus, je vous respecte. Je respecte ma maman Maté. Je respecte tout le monde. Puis je respecte l'homme avec lequel je suis. Ce que je veux vous dire. Moi, ce n'est pas une menteuse. Est-ce que la luminosité est bonne là? Je dis ça et puis on passe au sujet. Sur le sein de ma mère que j'ai tété. Sur mon sein que Wendy a tété, sur ma fausse couche que j'ai faite dans ma vie, voici la photo compromettante. Est-ce que vous voyez? Si vous ne voyez pas, je vais diminuer. Est-ce que je peux diminuer la luminosité? Voici la fameuse photo compromettante de votre roi. Pour vous dire les réseaux sociaux. Quand on est des adultes là, c'est vrai. Ta camarade, tu as causé avec elle, tu as ri avec elle, et puis aujourd'hui,
Elle vient pour dire des choses. Oui. Si tu n'apprécies pas ce que je fais, c'est correct. Mais mentir, c'est pas bon. Parce qu'on est des mères d'enfants. On prie Dieu pour que nos enfants arrivent. Voici la photo compromettante. C'est ce qu'elle veut vous dire. Un peu seulement. Sur tout ce que je cherche sur la terre des hommes. Voici la photo compromettante du roi que j'ai envoyé. C'est ce qu'elle vous dit seulement. Pourquoi on rit? J'ai mes défauts. Je connais mes défauts. J'ai dit, je connais mes défauts. Voilà la photo compromettante. Je vais vous donner le contexte. Ma soeur a fait anniversaire de son mari. Je n'étais pas en direct pour lancer les cœurs. Et quand j'ai vu le direct, deux jours après, je l'ai appelé. J'ai dit, waouh, ma soeur, j'ai vu l'anniversaire, mais t'es choco. Mais le gars même, il est choco. Hein? Hey, les hommes vieillissent pas. Viens, comment il était à côté de toi. Elle dit, oh, ma soeur, c'est comme ça. Oh, souvent, quand on est que l'on pense qu'on les gens pensent que nous sommes âgés à cause d'enfants. J'ai dit, c'est la même chose. Hein? Coco, la preuve, c'est qu'elle s'entend vous dire aujourd'hui. J'ai déjà dit ça dans une vidéo. J'ai dit, même chose. C'est là que je t'ai envoyé la photo du roi. Mensonge n'est pas bon. J'ai mes défauts, je sais. Dans la vraie vie, comme a dit le roi, tu as causé à cette dame-là. Vous avez eu de bons moments ici, ça riait, caca, je n'aime pas ça. Arrête-moi ça. Je ne veux plus faire des... Je vais sortir. Mes amis, voilà ça. Partagez, petit, et vous donne. Moi, je ne suis pas une menteuse. La photo compromettante du roi que je t'ai envoyé, voilà ça qui est là. Moi-même, je sensibilise les jeunes filles. Faites, envoyez pas photo de vous nues. Envoyez pas photo de vos bangalas à vos amis ou bien. Je conseille dessus. Non, je ne peux pas faire ça avec toi. Donc, maman, pourquoi on va mentir? J'ai dit que nos enfants, là, en temps normal, elles ont déjà fait enfant. Si c'est au village, on dit enfant. Si c'est au village, tes enfants ont enfant. Donc, pourquoi on va venir mentir? Maman, tu n'es pas contente. Je te reconnais. Tu n'es pas contente. Je ne suis pas contente de toi. Mais il ne faut pas, on va mentir. Mensonge n'est pas bon. Je vous mets la photo du roi, la photo compromettante. Mensonge n'est pas bon. Je t'ai envoyé une photo, c'est vrai, mais voilà la photo qui a été envoyée. Comme en fait dans mon dialecte là. Comme ça. Photo a été envoyée, voilà ça, maman. Pourquoi on va mentir? C'est qu'elle dit là, il n'a pas dit nos secrets, nous deux. Il n'a jamais dit ça. Il n'a pas dit secret que tu m'as dit de ta famille. Non, non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Maman, je ne peux pas venir mentir sur toi. Hein. Je peux, maman, ma soeur n'est pas bon. Maman, qu'a dit la vérité. Tu comprends? On m'a tiré les oreilles ici hier. Le roi a dit il n'aime pas ça. Arrête-moi ça. Il a dit papa, il a compris. Mais quand on m'envoie, il n'a pas écouté ton direct. Le petit morceau qu'on m'envoie, ce n'est pas intéressant. Gueda, Greneba. On est des mères d'enfants. Tu comprends? C'est ça, c'est ce que je voulais dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, mensonge n'est pas bon. Voilà la photo compromettante. Partagez massivement. La photo compromettante du roi, là voilà. On peut faire ça. J'ai même apprécié ton mariage. Il dit ton mari était choco. Ils sont choco comme ça. Le roi qui est là, si on le voit là, où lui il est là, on peut lui donner 35 ans. Moi, on va me donner toujours 50 ans alors qu'il est plus âgé que moi de 2 ans. C'est ce qu'il avait dit. Puis on avait ri ce jour-là. Donc pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a problème. Tu as venu, tu étais envoyé. Faut pas faire ça. Nya, un os mani. Faut pas faire ça. C'est ce qu'il voulait te dire. C'est juste ça, c'est ce qu'il veut dire. Le reste, bon, je n'ai pas écouté, c'est le blablabla. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Vous riez. Tu comprends? J'ai dit, donc vous êtes tous là-bas, vous voulez venir au Canada? Vous voulez tous venir au Canada? Hé hé! Là là! Mon Guarani, employé a envoyé 15 postes. 15 contrats. Eh non, c'est ma soeur, on peut venir. On s'y réunit, on s'attend la classe. Non, jamais. Jamais. Comme j'ai dit, le roi a dit, les autres, tu n'as jamais causé avec eux, donc je m'en fous. Mais cette dame-là, tu as causé avec elle. Donc, je ne veux pas de ça. Donc, aujourd'hui, je vous parle, le débat est clos. Mais j'ai voulu vous montrer la photo compromettante. Vous voulez la photo compromettante encore? La voilà. Lui-même, il n'aime pas sortir dans les photos. Tout. Vous le remarquez, la seule fois où il est sorti dans la photo, c'était quand il était dans mes débuts.
où on a souhaité joyeux anniversaire à mes nouveaux amis. Hein. Bonne année. Et puis quand j'étais dans la piscine, après ça, il n'aime pas. Il dit, t'es ourourou de Facebook, je ne suis pas dedans. Donc, il ne faut pas venir mentir. On peut être en parlable. on peut chose, mais il ne faut pas en venir mentir. La preuve, quand je te parle de chronologie, voici une chronologie. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est suite à ton anniversaire, j'ai apprécié ton mari. Et puis, Causerie est parti. J'ai dit, il est jeune, il fait, en tout cas, il est beau, bien, tout et tout. Voilà, ça, il a dit. Puis, je t'ai envoyé une photo du roi. Et toi, tu as dit, aïe, c'est le monsieur qui est là comme ça. Il a dit, oui, ma soeur. De la vérité, il t'a dit, il n'a pas menti sur ta maman. Aïe, yo, Facebook. Aïe, yo, ma Facebook, quoi. J'ai dit, le poste que j'ai fait pour dire que j'ai 15 offres d'emploi qu'un employeur a donné hier. Ma tablette voulait se casser. Il n'a pas encore fini de vous répondre. Où vous êtes même? Où ils sont? Vous voyez le message en vert là. Voilà. Je n'ai pas encore fini de vous répondre. Gars, mon affaire de Canada, mais je parle là. Vous aimez ça. Et puis, on m'insulte là. Hein? Facebook en train de se casser dans l'affaire du Canada. Ma tablette était en train de se casser depuis hier. Mais j'ai des informations à vous donner. Comme je vous ai expliqué, je ne sais pas si j'ai été assez clair hier, parce que j'ai supprimé cette vidéo-là hier. Parce que quand j'ai fini de la faire, automatiquement, j'ai reçu 130, c'est-à-dire quand j'ai raccroché le direct, j'ai reçu 130 messages. Au moment où j'étais en train de répondre, j'ai vu que les messages rentraient. J'ai dit, mais Monique, tu n'as que 15 offres d'emploi là. Le monsieur a parlé de 15 offres d'emploi. Il n'a pas dit, il a beaucoup. Mais pour le moment, c'est ce qu'on a. Maintenant, quand ça là, ça va être déjà bouclé. Et puis, il va encore envoyer d'autres offres d'emploi. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, ce que je tenais à vous dire, effectivement, c'est pour monsieur. Oui, parce que maintenant, je vais expliquer. Il a déjà expliqué comme merci pour les 300 étoiles. C'est la sagesse. C'est la sagesse. On est des mamans passées. On va pas rentrer dans ça. Mais la petite partie là, je voulais dire la vérité. Vous-même, vous voyez que j'ai pas menti. J'ai dit dans quel contexte j'ai envoyé la photo. La fameuse photo compromettante. Tu peux être fâché, c'est correct. C'est ton droit. Mais il faut pas. Même si on est fâché, on n'a qu'à dire la vérité. C'est ce que j'ai dit. C'est un kit, comme j'ai expliqué, pour monsieur. Madame, deux enfants à la base, lui son package là, c'est ça. L'employeur là, oui, c'est l'employeur, hein, c'est pas quoi, c'est un employeur. Lui, c'est ce qu'il demande. Maintenant, dans ce package là, comme je vous ai dit, ceux qui sont rentrés dans mon inbox déjà, je vous ai dit combien ça coûte tout et tout. Vous comprenez? Donc, si tu es seul, si tu n'as pas de femme, tu es tout seul, c'est le même prix. Parce qu'à l'origine, c'est un package qu'il a fait. Donc, lui, il ne va pas faire du cas par cas. Donc, l'employeur, là, lui, c'est le même prix. Voilà, ça déjà, je veux que vous compreniez ça. On demande, quand on te dit, il faut remplir trois critères. Dans les trois critères, là, on dit, il y a l'âge qui est le facteur. 46 ans et moins. Vous comprenez? 46 ans et moins. Ça veut dire que si tu as déjà fêté anniversaire de 47 ans là, tu n'es pas dedans. Voilà. Ah, tu as fêté 47 ans, tu n'es pas dedans. Si tu es dans 47 ans, moins un mois, dans un mois ou dans deux mois ou dans trois mois, tu vas avoir 47 ans, ben tu peux encore faire. Parce qu'on n'a pas encore soumis. Mais je peux dire, je vais donner même dans six mois. Six mois, si c'est dans six mois, tu vas atteindre 47 ans, tu peux soumettre. Parce qu'on n'a pas encore soumis. Eux, c'est comme ça. C'est quand ils ont soumis là qu'ils prennent en compte. Donc, les trois critères. Donc, si l'âge ne répond pas, ça veut dire que tu es déjà en manque dans les critères. Parce qu'on te demande trois. L'âge ne répond pas. Ou bien, comment on appelle ça, le diplôme ne répond pas. Ou bien, comment on appelle ça, le travail ne répond pas. Donc, ça veut dire que tu ne réponds pas aux critères. Donc, on ne va pas durer là-dessus. Vous comprenez? Ensuite, j'ai parlé des frais gouvernementaux. Quand j'ai dit que les frais gouvernementaux ne sont pas dedans, merci pour les étoiles. Vous me demandez l'impacteuse, c'est quoi les frais gouvernementaux là, c'est combien? Partagez le direct, parce que les informations que j'ai données hier, je suis en train de les donner sous une autre forme ici. Vous comprenez?
L'impacteuse, les frais gouvernementaux, c'est combien? Mais les frais gouvernementaux, vous pouvez aller. Je suis obligée d'aller prendre mes lunettes là parce que je ne vois pas. Attendez, je vais m'arranger. Il y a un qui critique là. Attendez. Ok. Hein, encore, c'est une causerie. Bon, toi, je t'enlève ici. Voilà. Si elle était bloquée, c'est pas fini pour toi. C'est correct. Non. C'est correct. Moi, je suis pas une mauvaise fille. Je vis avec un homme, comment. Je connais mes limites. Donc, comme je vous ai dit, j'étais où? Je t'ai rendu où? Ok. Attendez. Bon, les gens s'insultent un peu là-bas. Ta mère, son testicule, ça n'a pas de sens là. Ok, on parle de quelque chose de très important. Oui, vous m'avez envoyé un message. Je suis en train de répondre à vos messagers. Voilà. Voilà, je fais. Padre Lyon, mystérieux, tu t'adresses à qui? Tu es qui tombe sur toi? C'est à qui tu t'adresses? Tu es qui tombe sur toi? On va caler ici. Oui, les frais gouvernementaux, ben vous me demandez. Dans la vie, quand on te donne une information, ben, tu peux aller regarder. Toutes les informations sont aujourd'hui sur Internet. Donc, je vais vous donner un peu les frais gouvernementaux. Les frais gouvernementaux, il y en a deux. Il y a pour le Québec et puis il y a pour le Canada. Pour le Québec, là, c'est 822 $. Pour le candidat principal, pour les adultes. Vous comprenez? Maintenant, 176 $ pour le reste de la famille. C'est-à-dire les enfants, là. Vous comprenez? Maintenant, pour la résidence. Quand on parle de résidence permanente, maintenant, là, pour le fédéral, pour le gouvernement du Canada, 1325 pour les deux adultes. Vous comprenez? Et puis 225 pour choses, comment on appelle ça là? Pour chaque enfant au fédéral. Et puis maintenant, 170 $ pour les empreintes. C'est ce que vous appelez la biométrie. Donc si on vous dit sans les frais gouvernementaux, tu vas cliquer dessus. Tu vas aller sur Internet pour regarder de quoi il s'agit. Tu comprends? Tu comprends? Tu vas aller sur Internet, mes frères gouvernementaux qu'on dit là, tu tapes dessus, frères gouvernementaux, et puis ça va sortir. Donc, c'est ça. Quand on est en train de faire une procédure d'immigration pour le Québec ou bien pour le Canada, quelqu'un te dit, je vais te faire les papiers pour rentrer comme une résidente permanente, ça prend un test de langue. Si quelqu'un te dit, il va te faire rentrer au Canada comme un résident permanent. Je n'ai pas dit permis de travail simple. Hein. Oui, pas un permis de travail, on peut t'épargner tout et tout, peut-être ça. Mais quelqu'un te dit, il fait la résidence permanente comme ceux dont je suis en train de vous parler. Ben, il y a un test qui va s'imposer. Donc, ça prend un test de français. Donc, ceux déjà qui sont rentrés en contact avec moi, je vous ai déjà donné les informations. Comment on appelle ça? Je vous ai déjà donné les informations. Vous comprenez? Ça vous prend un test du français. Vous dites que vous voulez voyager. Oui, je ne sais pas comment vous réfléchissez. Moi, là, pour que je puisse voyager, là, pour que je puisse rencontrer mon mari et puis faire un projet de voyage ensemble, mes passeports étaient déjà périmés 3 fois. Tellement je voulais voyager. Mais vous voulez aller en voyage et vous n'avez pas de passeport. Tu vois, c'est comme toi, la fille, aujourd'hui. Tu es rentrée en contact avec moi. Tu réponds les critères. Tu as les sous. Tu as tout. Nofema, tu veux que je te bloque? Nini Nyon, tu veux que je te bloque? Sale chien ou bien sale chien. Donc, comme je disais. Ah, ok, épinglé. Ouais, je vais épingler. Merci beaucoup. Ok. Attends. 570. 83, 97.
Ok. J'ai épinglé le numéro. Ok. Voilà, le numéro est épinglé. Vous comprenez? Donc, c'est ça l'information que je suis en train de vous donner. Tu dis que tu veux voyager. Depuis des années, tu as le projet de voyage. Même passeport. Même passeport, tu n'as pas. Maintenant, aujourd'hui, tu réponds à tous les critères. Tu as dit que non, avant, tu voulais pas. Tu as fait le Canada, ça t'intéressait, mais c'est juste que c'est longtemps que t'entends. Maintenant, aujourd'hui, tu veux voyager. Passeport n'est pas encore fait. C'est maintenant aller chercher la route du passeport. Vous comprenez? Donc, quand vous avez des projets, c'est-à-dire favorisez-vous, c'est-à-dire donnez-vous vous-même des chances. Tu as, dans ta tête, tu veux voyager, mais prépare un passeport. Je connais quelqu'un à Abidjan. Il y a comme 3 ans de cela. Cette personne travaille, il n'a même pas dit son nom. Quelqu'un va voir mon truc. Passeport, c'est la base. Moi, quand quelqu'un me dit, je veux voyager, et depuis, je rêve de voyager, tu n'as pas, ça dit, tu n'as pas de passeport. Ça dit, c'est comme si tu es à Abidjan, on envoie un avion et puis on dit, bon, on va prendre quelques personnes pour une X raison. Tu n'avais pas de passeport. Non, ça dit que toi-même, tu t'es déjà mis à la queue, Lulu. Comme dit le roi, moi, quelqu'un qui dit, il va voyager, si tu n'avais pas de passeport, déjà, on ne peut pas trop, je ne vois pas, ça dit, dans ma tête, tu comprends? Vous comprenez? Donc, c'est ça. Quelqu'un, la personne devait être au bureau. Le patron est venu vous dit, on a une mission d'urgence. On passe jeudi. Ça dit jeudi en chose. Comment on appelle ça? En France. Mais son passeport n'était pas prêt. C'est 4 collègues qui avaient le passeport. C'est eux qui ont voyagé. C'est eux qui ont fait cette mission rapide-là. J'ai dit, mais finalement, tu n'es plus parti, tout et tout. Non, je n'avais pas encore le passeport. J'ai dit, tu étais assis, toi, ce monsieur, tu étais assis là, tu n'avais même pas le passeport. Donc, quand vous voulez voyager, le passeport est le premier document. Est-ce sur toi? Parce qu'on ne sait jamais où une opportunité peut s'offrir à toi. Vous comprenez? Donc, les nombreux messages que vous m'avez envoyés, je vais répondre à ça. Mais comme je vous ai dit, ceux qui sont déjà rentrés dans mon inbox, je vous ai expliqué comment ça fonctionne. Si tu n'as pas pu en ce moment, c'est sûr qu'on n'a que 15 offres. Déjà là, c'est vrai, il y a un férié demain. À partir de mardi, les choses vont déjà se mettre en place. Vous comprenez? Oui. Voilà. Ma grande, Jeanne, comment tu vas? C'était à cause de ça, vous étiez venus nombreux là. Ah. Vous étiez 700, 800, c'est ça où vous, ce que vous cherchez. D'accord. Mon cher. Moi, allez là, je sais ce que je cherche sur les réseaux sociaux. Donc, vous comprenez? Oui, depuis ton pays d'origine, tu peux demander la résidence. Nous, c'est depuis le pays d'origine qu'on a demandé la résidence. Vous comprenez? Non, l'autre lunette, là, il faut laisser ça. Ce sont mes lunettes pharmaceutiques. J'ai besoin de lire, là, il faut laisser ça. Si elle porte le lunette, je ne peux pas lire. Comprenez? Allez jouer ailleurs. Allez jouer ailleurs. Juste la vidéo d'hier, il y a des personnes qui sont rentrées en contact avec moi. Elles ont vu en ça l'espoir. Donc, allez ailleurs. J'ai dit qu'elle ne répond pas. Donc, si c'est ça qui vous fait mal là, allez ailleurs. C'est à cause de vous étiez venu vous attrouper ici. Hein, vous êtes tiré une balle dans la tête. N'importe quoi. Les critères. Fais toi le bébé. Les critères, comme j'ai dit, 45, 46 ans. 46 ans et moins, pas plus, le bac et puis le, comment on appelle ça, le travail. Mais le travail, pas besoin d'être déclaré à la CNPS. Si l'employeur peut te faire une lettre déjà pour reconnaître que tu travailles là depuis tel temps, c'est correct. Ça peut tenir dans le dossier. Voilà, vous comprenez? C'est ça. Les stages, non. Les stages ne sont pas inclus. Par exemple, les messages que j'ai lus ce matin déjà, on m'a parlé des stages. Non. Les stages ne sont pas inclus. On ne parle pas de stages. On parle de des gens qui ont le travail. Oui, tu n'es pas déclaré, mais c'est comme moi, dans mon entreprise aujourd'hui, je cherche comment on dit ça? Une assistante. Je suis en train de chercher une assistante.
Mais je ne trouve pas. Problème de main d'œuvre. Donc, demain, là, cette assistante-là, je peux lui délivrer un papier pour lui dire qu'elle travaille dans mon entreprise. Comprenez? Voilà. Ouais, un projet d'immigration, Hugo Inc, c'est ça. Un projet d'immigration, ça se planifie, bien sûr. Oui, on peut le faire depuis la France. Oui, hier, j'ai donné le détail. On peut le faire depuis la France, tout et tout. Mais sachez que c'est comme 15 places. 15 places, on a déjà au moins 4, 5 qui sont déjà programmées pour lundi et pour mardi. Parce que demain, c'est férié. Oh oui, je comprends. Mais c'est parce que, oui, je vais faire. Comme maintenant, le monsieur, je vais faire Yvonne Kouakou. Je faisais les directs sur... Pour, coucou maman, je suis là pour l'assistante. Cécile Doué. Mais si tu es là pour l'assistant, moi je cherche une assistante du lundi au vendredi pour augmenter mon quota. Est-ce que c'est toi qui m'as rejoint dans le inbox? Sinon, je cherche une assistante. Je cherche une assistante pour augmenter le quota ici à la maison. Mais bon, oui, c'est une belle opportunité. C'est une belle opportunité. Mais comme j'ai dit, la partie DJ, là, on ne parle pas de ça sur les réseaux sociaux ici. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ça. Ok. Aïe! Nathalie Loubao, c'est pour ça qu'ils étaient là. Ils n'ont pas parti? Ah, aïe! Ouais. Hier, j'ai supprimé la vidéo parce que j'avais trop de monde déjà. J'ai dit, mais attends. Donc, je l'ai supprimé. Comprenez? Ouais. Je suis en train de lire vos messages et puis je vais vous répondre. Voilà. Merci. Donc, en quelque sorte, c'était ce que je tenais. C'est Flora. Ah, ok. Sachez que je vais vous répondre. C'est juste qu'il fallait quand même que je vous dise. Parce que j'ai vu qu'on me ramenait. On me ramenait à les critères. Non, moi j'ai ça, je n'ai pas ça. J'ai le doctorat. Je l'ai dit hier. C'est pas question de doctorat. On n'a pas besoin de doctorat. Tu as le bac, ça suffit. Voilà. Tu as le bac, ça suffit. Voilà. Vous comprenez? Ok. En tout cas. Justement, merci beaucoup pour la question. Si vous avez des questions, posez-les moi. Parce que je me suis... Quels sont les postes demandés? C'est un travail général. Oui, travail général, là, ça veut dire que c'est n'importe quel travail. Ça veut dire que tu es ingénieur là-bas. Si tu viens ici, tu vas être... comment on appelle ça? Tu vas faire n'importe quel travail. J'ai parlé de ça hier. La manufacture, tout et tout, tout et tout. Tu comprends? Voilà. Voilà. Vous comprenez? C'est ça. Mais on dit toujours je ressemble à Annie Tchélé. Non, j'ai pas de... Je sais pas si c'est la même personne qui le dit là, mais très souvent ça revient. Non, on n'a pas de lien de parenté. Ouais, on n'a pas de lien de parenté. Ouais. Comprenez. Voilà. Ah, ok. Tu veux venir? Ah, tu veux venir pour étudier? Ok, tu veux venir, mais tu n'as pas le niveau d'études. J'ai déjà donné une explication pour ceux. Ouais. Nina, voilà.
Donc, en gros, c'est ce que je tenais à vous dire. Le projet t'intéresse, oui, je vais répondre à vos messages, j'en ai beaucoup. Je tenais vraiment, c'était pour vous parler, j'ai vu que la question revenait. Oui, j'ai supprimé la vidéo hier parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages qui rentraient. J'ai dit non, autant la supprimer de partout. Donc, je l'ai supprimée, mais l'information reste la même. Il y a toujours les offres d'emploi. Vous comprenez? Voilà. Voilà. Ouais, ok. Merci, Odé. Comment tu vas? Voilà. D'accord. En tout cas... Voilà. Donc, c'est ce que je tenais carrément à vous dire. Vous comprenez? Non, BPC peut pas. Yeah, BPC, c'est le bac. Bac ou BTS. On m'a dit BT aussi, ça correspond au bac, mais bon, je connais pas trop. Vous savez, ici, là, l'heure a fait des choses là. Souvent, nous, on ne sait pas leur diplôme, ça équivaut à quoi. Il faut le bac. C'est le bac. Vous avez fait, mais il y a une de mes épatées qui m'a dit, finalement, j'ai quitté le direct. Les gens posaient les mêmes questions auxquelles tu répondais. C'est le bac. Si tu sais que tu n'as pas le bac, que tu as le BTS, oui, tu peux me rejoindre. Je vais t'expliquer. La preuve, ce que j'ai eu, je leur ai déjà expliqué. Mais c'est par rapport aux critères que j'expliquais. J'ai dit, mais attends, ou bien je ne me suis pas bien expliqué. Comme j'avais supprimé la vidéo, c'est pour ça que je suis venue. Voilà. Si ça t'intéresse, tu rentres. Voici mon numéro qui est épinglé. Ouais, le montant global là, c'est sûr que je vais te donner le montant de ce que ça prend. Ensuite, on va mettre les frais gouvernementaux que j'ai cités ici, plus la biométrie et puis les bilans médicaux. Oui, tout ça. Il y a bilans médicaux, tout ça. Voilà. Oui, je vais répondre. Je vais répondre. Qui a 48 ans, qui n'a pas de diplôme. Mais ta maman, tu peux pas. 48 ans, non? Ou bien je vois mal. Oui, 48 ans, tu peux pas. Tu peux me faire venir ta maman comme, comment on dit ça, comme visiteur. Ou bien tu peux lui faire un visa, comment on appelle ça? Ah, le visa des mamans, là, 10 ans, là. Ou bien, je dis pour faire venir les mamans, là. C'est dans chose, comment on appelle ça? C'est, il faut maintenant un tirage pour faire venir les mamans. Avant, on pouvait le faire, le truc de résidence pour les parents. Mais maintenant, c'est pas tirage. Voilà. Vous comprenez? Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. C'est ça. L'Afrique ne peut pas évoluer, hein? C'est ça. On peut pas évoluer. Merci, super visa. Connais Astou. Merci pour l'expression. Ouais, le visa de 10 ans. Voilà. Tu as déjà fait la biométrie. Voilà. Vous comprenez? Vous étiez venu ici pour que je la dise, non, c'est pour ça que vous étiez venu. Il a dit, vous ne pouvez pas changer. C'est pour ça que vous ne pouvez pas aller de l'avant. C'est ça qui fait que l'Afrique ne peut pas aller de l'avant. C'est ça. On s'attendait, on a vu l'impacteuse, donc on s'attendait à ça. Il n'y a pas vous donner cette occasion-là. Voilà. C'est ça. On ne peut pas évoluer. C'est ça. Elles ont évolué, c'est pas aujourd'hui. Si vous voulez dire qu'elle est signée, c'est pas grave. Elle est signée. Il n'y a pas de problème. Le roi a dit qu'il ne veut pas ça. Tous mes parents ont dit qu'ils ne veulent pas. Tout et tout. Donc j'ai signé. À écrire là-bas. L'impacteur a signé abandon. C'est correct. Merci beaucoup. Fatoumata, oui. Oui, il est médecin. Ok, si le médecin n'a qu'à rentrer, mais comme j'ai dit là-haut, médecin là, c'est pour venir faire travail général. C'est ce qui est précisé hier. Médecin là, c'est pour venir faire travail. Sinon, c'est bac. Bac suffit seulement. Donc, quand ils vont le prendre en compte là, ils vont prendre juste le diplôme de médecin. On ne va pas prendre tout ce qui vient. Ils vont prendre juste le diplôme du bac. C'est le baccalauréat qu'ils vont tenir compte de ça. Donc, médecin là, on ne va pas tenir compte de ça.
Voilà. Donc, si les médecins et que l'autre est chauffeur, que l'autre a le bac, les deux sont même chose. Voilà. C'est ça. Pas grave. C'est bon, papa, il a fini de dire. Mais. Ah non, 48 ans, non. 48 ans, non. 48 ans, non. Comment faire pour avoir. Ouais. Ok. Ouais, même si les médecins, si la 48 ans, qui les médecins, non. Ok, pendant combien de temps? Oui, la question est très bien. Pendant combien de temps? Posez les questions, s'il vous plaît, les impacter. Posez-les, je vais répondre. Pendant combien de temps on peut être lié à un employeur? Hier, j'ai parlé de ça, c'est un an. Généralement, dans la loi du travail au Canada, c'est un an. Vous avez vu, non? La preuve là. La preuve, comment on appelle ça là? Attends. La preuve, les gens qu'ils ont pris, les préposés qu'ils ont pris pour travailler ici au Canada, là. Le contrat, ce n'est pas aller au-delà d'un an. On dit, tu dois travailler au moins un an. Et puis maintenant, si tu veux quitter, tu vas quitter. Pourtant, ils avaient on leur a donné près d'une dette de 10 000 dollars, mais quand même, là, c'est un an. Donc, très souvent, c'est un an. Voilà. Tu veux venir rester avec ta famille, c'est pour ça que j'ai mis le comment on appelle ça, j'ai épinglé le numéro. Laisse-moi un message. Voilà. Laisse-moi un message. Et puis je vais comme je vais te répondre. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc c'est un peu ça. Donc quand on dit travail général là, dans travail général là, il y a manufacture. Oui, quand je dis la manufacture, c'est les entrepôts. Il y a tout. Ça dit tout ce qui ne demande pas une formation, tu viens. Ce travail général, c'est comme tu arrives au Canada, 2 jours après, tu peux travailler, c'est ça. Ça peut être l'entretien ménager. Souvent, mais ils vous forment sur le tas en même temps. Ils peuvent vous donner une petite formation et puis vous faites déjà le travail. Donc, ça veut dire que tu sois là-bas, l'essentiel, comme j'ai dit hier là, l'essentiel, c'est pour rentrer. Si tu es aide-soignante, oui, parce que j'ai reçu beaucoup de messages des aides-soignantes. Tu es aide-soignante, mais il faut que tu aies le bac. Il faut qu'au moins tu travailles dans une clinique. Il ne faut pas que. Pardon. Il ne faut pas que le diplôme là. Il ne faut pas que le diplôme là dorme dans les bagages là-bas. Voilà. Tu es aide-soignante sur papier, mais tu ne pratiques pas dans une clinique. Non, ce n'est pas bon. Il faut qu'au moins tu travailles dans une clinique. Même si on ne t'a pas reconnu à la CNPS, mais au moins ton employeur, le monsieur dans la clinique où tu travailles là, il peut écrire pour dire oui, elle travaille dans ma clinique, tout et tout. Vous comprenez? C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas écouté, c'est juste c'est ça, on m'a rapporté. Et puis bon, j'ai dit, sinon je n'ai pas écouté. Sur la tête de tout ce que je n'ai pas écouté. Bref, déjà depuis hier, il y a déjà reçu les garants. Dans la maison ici, des États-Unis, partout. Il y a reçu les garants, on m'a dit, on ne veut pas ça. Et tout. Ça. C'est ça. Comprenez. Non, si tu n'as pas les diplômes, rien. Ok, je vais te répondre. Si tu m'as Oui, pas beaucoup encore. Miris a dit pas beaucoup encore. Pas beau, il reste plus beaucoup. En fait, c'est le férié qui est au milieu là qui a gâté les transactions. Sinon, mardi là, les transactions vont se faire. Je vais répondre. Andrea Bréco, je vais vous répondre. Cette nuit, tout et tout, je vais vous répondre. N'inquiétez-vous pas. Voilà. Je vais vous répondre. Merci beaucoup. Josiane Ngoran, il ne faut pas t'inquiéter, je vais te répondre. Je vais te répondre, ma chère. Il fallait que je vienne faire ce direct-là pour préciser vraiment
l'affaire des comment on appelle les critères. Parce que j'ai vu que le message n'était pas passé. Oui, c'est vrai, j'ai vite supprimé la vidéo, mais bon. C'est ça. Vous comprenez? Ah, je suis à la devanture. Elle dit à la devanture d'où? Je suis à la devanture de chez moi. Je suis au bas de l'escalier. Voilà. Arranger ton life où tu laisses les personnes aider. Oh, ma préférée. Emile Dogo, toi tu as affairé, toi. Quitte là-bas. L'escalier donne sur l'extérieur. J'ai deux escaliers, un qui monte et puis un qui descend. Voilà. Nos maisons ici, là, c'est ça. Il y a toujours sous-sol, non? Donc, il y a toujours des escaliers. Hein? Voilà. Maintenant, je suis financière. Laissez-moi des messages. C'est pour ça que le temps est parti pour le projet. Normalement, je prends un projet comme l'entrée express, qui est la zone anglophone. L'entrée express, normalement, c'est 6 à 8 mois. Mais avec le COVID aujourd'hui, l'entrée express même est passée à 9 mois, voire 1 an. Donc, ce genre de projet-là, c'est sûr que ça va, chose, comme on dit ça là, ça prend un peu de temps, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une offre d'emploi. Il faut demander à tout le monde. Un truc où il y a une offre d'emploi, ça vient toujours avec, ça dit la priorité. Voilà. Un processus d'immigration qui vient avec une offre d'emploi, il y a toujours une priorité sur ceux qui sont là. Vous pouvez partager les vidéos, c'est la vérité ce que je dis. Emilien Dogo Educa. Ah, vous n'avez pas fait attention, oui, parce que je n'ai jamais fait de vidéo là. À cause du soleil, j'ai choisi ici. Ah oui, 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 oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ce n'est pas pour me vanter, mais c'est que si la maison est là. La maison est là. Non, je te mets pas sur la liste. Tu rentres en contact avec moi et puis bon, c'est ça. Eman Yoboué. Bon, c'est dans la ville du chose, non? C'est Québec, donc ça peut, c'est partout. Mais où tu es même là, si tu arrives ici, là, même si on dit ça perpète le zoo, ou bien c'est comme disent les Québécois, à Saint-Clin-Clin là-bas, est-ce que tu vas crier? Donc, ce n'est pas important la ville. Ce qu'elle suit, c'est au Québec. C'est dans la province de Québec. Donc, si elle te dit que c'est, comment on appelle ça, c'est à Prévost, est-ce que tu connais Prévost? Ou bien si elle te dit c'est à Mont Blanc, tu connais pas, donc ça, c'est pas important. L'essentiel, c'est de venir. Oui, je te réponds pas parce que je suis pas encore rendue. Je vais vous répondre. Je vais commencer par les messages du bas. Je vais commencer par en bas et puis je vais vous répondre. Déjà, je voulais, c'était pour vous donner l'info. Parce que d'ailleurs, m'ont appelé, non, on voit plus la vidéo. Oui, on voit plus la vidéo parce que je l'avais supprimée. Voilà. Marie de Magdala. Oh, merci beaucoup. Thank you. J'aime le Canada. Ok. D'accord. Donc, l'essentiel a été dit. L'essentiel a été dit. Les offres tiennent encore. Vous m'écrivez. Je vous donne les ça dit, je vous explique tout le reste dans le inbox. Quand je vous explique, si tu peux, tout de suite, tu vas me dire. Voilà, j'ai expliqué. D'ailleurs, il y a d'autres qui ont dit, moi, c'est bon, je suis partant. D'autres ont dit, non, je ne peux pas parce que c'est correct. Voilà. Oh, tu sais pas comment envoyer les étoiles. Moi, mais je ne sais pas. Oh. Souvent, là, je ne sais pas si c'est une application qu'on installe. C'est ma soeur qui m'a expliqué. Un jour, j'ai demandé à ma soeur comment les gens même font pour envoyer les étoiles là. Et puis, elle m'a expliqué. Merci beaucoup. Juste ton intention, ça me touche. Merci.
Merci pour Patricia Cué d'avoir partagé. Merci. Partagez le direct, mes personnes. Partagez. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la procédure d'Arima? Mais Manso, le docteur, je suis en train de te parler de Arima. Arima, il y a deux volets dans Arima. Arima, il y a le côté où, quand tu n'as pas d'offre d'emploi, tu restes pour dormir dedans, comme actuellement. On ne te sélectionne pas. Et puis, quand tu as une offre d'emploi, ben, tu arrives dans Arima, tu supplantes tous ceux qui attendent parce qu'au moins, tu as une offre d'emploi. Quand tu as une offre d'emploi, ça veut dire qu'il y a un employeur qui te veut. Tu comprends? Voilà. Voilà, donc, ben, c'est dommage là. Pourquoi on privilégie ceux qui ont une offre d'emploi dans Arima, alors qu'il y a des infirmiers, il y a des informaticiens, il y a tout le monde qui attend, mais qui n'ont pas encore d'offre d'emploi. Donc, Arima, non, j'aime pas. J'aime pas, mais au moins aujourd'hui, bon, il y a des gens qui offrent une offre d'emploi, et puis bon, c'est ça quoi. Est-ce que je peux dire? Oui, c'est payant, c'est des gens sur leur application, sur leur internet. Oui, les étoiles qu'ils envoient, ils payent ça. C'est des gens qui ont de l'estime pour toi. Et puis, ils payent. Oui, c'est des gens via 4 visas, tout et tout. Voilà. Ah, tu es bloqué actuellement, tu ne peux pas envoyer des cartes. Toi, tu es une micheuse, toujours en train de me faire rire dans les vidéos. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, je crois que j'ai fait le tour un peu avec vous. C'est ça. J'ai fait le tour. Et puis bon, moi aussi, merci beaucoup. Merci. Oh, c'est gentil, merci. Ouais, merci. Ok, qui a écrit là? Ok, attends. En tout cas, du coup, moi je t'écris, mais oh, je vais vous répondre, monsieur Kwasi Kwadio Kwasi Kwame. Je vais vous répondre, mais c'est les infos. Merci. Bon, l'essentiel est dit là. Je vais vous laisser, je vais vous laisser, et puis je vais continuer de répondre. Ok, faut donner à ton fils, mon cher. Moi, les trucs d'internet là, c'est Wendy qui m'aide ici. Ouais. Elle dit que ça fait mal quand j'ai dit maman. Non, pas du tout. Ça me fait pas mal. J'ai mon fils ici à Québec, il m'appelle la vieille, ça me fait pas mal. Moi, j'ai pas de problème avec ça. La vieille, maman, tout et tout, ça me fait pas mal. Est-ce que c'est ça qui va faire que ton âge va diminuer ou bien ton âge va augmenter? Il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, c'est quand tu me dis ça sur un ton d'injuste, là, il y a problème. Voilà, sinon, ça fait pas mal. Est-ce que c'est pas on te dit la vieille que dans ta chose? C'est notre façon aussi, à nous, dans notre jargon, de respecter, de donner de l'affection. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, je vais vous laisser. Merci pour ceux qui m'ont envoyé les étoiles. Merci beaucoup. J'ai beaucoup à faire. Il faut que je réponde à tous ces messages-là. Voilà. Et puis, on est ensemble. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Au revoir.